Alors, bonsoir à tous pour cette nouvelle soirée de la plateforme culturelle Aînée. Ce soir, nous faisons connaissance avec Takashi Nagai, ce médecin qui a vécu à Nagasaki, qui est mort à Nagasaki. Et pour guider cette soirée, pour recevoir notre hôte, Paola Marenco, je vais passer la parole à Patrice Favre, justement, qui va nous aider à vivre cette soirée. Voilà. Alors, Patrice, c'est à toi. Merci et bonsoir à tous. En fait, c'est surtout Paola qui va nous aider. Moi, je vais juste l'introduire en disant que j'ai fait la connaissance de Takashi Nagai chez un bouquiniste il y a au moins 20 ans, peut-être plus. J'avais trouvé l'édition française de son livre « Les cloches de Nagasaki », une édition de 1953 qui raconte, ou c'est lui qui écrit et qui raconte, le 9 août 1945, il était dans son hôpital à Nagasaki quand la bombe lui est littéralement tombée sur la tête, à quelques centaines de mètres au-dessus de lui. Non ? Et protégé par les murs de béton de l'hôpital, il a été blessé, seulement blessé, si on peut dire, mais gravement, alors que des dizaines de milliers de personnes étaient tuées sur le coup, dont sa femme Midori. Non ? Et Takashi Nagai a des pages dans ce livre absolument incroyables sur les heures et les jours qui suivent ce bombardement, qui suivent l'explosion, les dévastations, les destructions, les blessés qui hurlent, tout ce qu'on veut, donc c'est très violent. Mais aussi, on trouve le courage des gens, la solidarité, la stupéfaction et le désespoir des Japonais devant ce cataclysme. Et dans cette édition française, qui intègre aussi des passages, des chapitres d'un autre livre magnifique, La chaîne du rosaire, il y a des chapitres émouvants sur l'enfance de Takashi Nagai, sa rencontre avec les chrétiens de Nagasaki, sa conversion au catholicisme avant la guerre et la période qui suit la bombe, le retour à la vie au milieu des ruines. Et c'est vraiment un livre magnifique et que je n'avais jamais oublié, mais comme tous les livres, non, on le laisse après dans la bibliothèque. Et tout à coup, j'ai appris que le meeting de Rimini avait organisé une grande exposition sur Takashi Nagai, c'était en 2019, exposition que j'ai vue, qui était remarquable, et que l'édition italienne de son livre, Les cloches de Nagasaki, était recommandée comme lecture du mois par le mouvement de Communion Libération. Et je pense que c'était vraiment des initiatives importantes qui m'ont fait penser, ça y est, Nagai revient, il n'est pas oublié, on le retrouve. Non ? Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir
sur Aîné, Paola Marenco, qui a été une des chevilles ouvrières, une des curatrices de l'expo de Rimini, du meeting de Rimini, et qui va nous en parler ce soir. Paola est médecin, comme l'était Takashi Nagai. Elle travaille à Milan, elle vit à Milan. Elle est spécialiste des greffes de la moelle osseuse, une maladie. Takashi Nagai souffrait de leucémie, donc c'est quelque chose qui la rapproche aussi. Et vous l'entendrez, Paola est absolument passionnée par Takashi Nagai et par sa femme Midori. Et donc, je ne vais pas prolonger parce qu'on est là pour l'entendre, elle. Elle va nous présenter cette personne et ce couple absolument remarquable. Et nous nous retrouverons, comme d'habitude, à la fin pour quelques questions et quelques informations. Paola, merci d'être venue parmi nous depuis Milan. C'est ça le bénéfice de cette pandémie qui nous permet de rencontrer les gens comme cela à distance. Je te laisse la parole et nous t'écoutons. Et à tout à l'heure. Merci Patrice. Et d'abord, merci à tout le monde pour cette invitation à vous participer à la connaissance de l'ami Takashi. Et je vous demande tout de suite pardon pour les fautes que je ferai dans mon français et les mots que j'inventerai. Moi, j'ai connu Takashi en 2017, quand à la fin d'une réunion de l'association Medicina in Persona, un ami me dit, tu sais, on m'a passé un livre sur un radiologue japonais qui vraiment lit la tragédie de la bombe atomique d'une façon vraiment inouïe. Je sors de la réunion, je vais acheter le livre, et puis après je l'ai offert à un tas d'amis. Mais le livre, c'est le livre de Glynn, par contre, qui est un missionnaire qui a découvert chez les lépreux l'histoire de Nagasaki et qui a fait toute la documentation et a écrit le livre « Paix sur Nagasaki ». Et c'est ce livre-là qui a été donné à tout le monde à lire parce que vraiment, il a fait un travail incroyable. Je l'ai distribué justement à un tas d'amis. Et puis après, on a, comme association Medicina in Persona, on a un peu fait la folie de penser de faire une expo sur ça au meeting. C'est celle dont tu viens de parler, Patrice. Au début, l'idée, c'était de faire une expo qui racontait sa vie pour que les visiteurs puissent mettre leurs pas sur ceux de Takashi et réfléchir sur sa propre vie. C'était ça notre idée de début. Mais en y travaillant, en étudiant, on a travaillé follement pour une année, en quatre, et on s'est aperçu que Takashi était un point de croisement entre deux incroyables traditions précieuses et dont je ne connaissais à peu près rien. La tradition japonaise, la pure tradition shintoïste japonaise et l'histoire des chrétiens au Japon. Donc, vraiment, je ne savais rien. Donc, dans l'expo, on avait mis deux salles pour ça. Ce soir, ce sera un peu impossible, évidemment, de parler de tout ça. Je vous dis qu'il y a un catalogue qui est très joli, très bien fait, parce qu'il y a les photos que sont le fils du fils de Takashi, Ému, nous a passé les photos de famille, donc c'est un peu celle que vous avez vue aussi déjà tout à l'heure. Et donc le catalogue pour l'instant, il est en italien, mais on peut toujours le traduire. Donc je vous renverrai sur des choses comme sur ce texte pour des approfondissements. Quant à moi, je vous montrerai que les quatre points, en vous racontant l'histoire, les quatre points qui m'ont particulièrement touchée. Attendez, je vais partager le... Attendez. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je pense que vous arrivez à voir. Donc là c'est une de ces photos en fait. Takashi est né en 1908, ça c'est sa maison, dans le sud du Japon, à Matsue. C'est très à côté de Izumo où il y a un des plus grands sanctuaires shintoïstes du Japon. Donc, il a été éduqué dans un esprit vraiment de samouraï et du plus pur shintoïsme. Moi, je ne savais presque pas ce que c'était le shintoïsme, comme je crois vous.
c'est la religion qui est née au Japon et qui est typique du Japon. C'est une qui a un profond sentiment du mystère. Et c'est une religion de la vie, de l'être. Mais l'être est un peu partout. Vous voyez, ça, c'est un torii. Et on rentre dans un sanctuaire. On rentre dans le sacré qui n'est pas un sanctuaire. Mais c'est la mer, c'est les montagnes, c'est les personnes. Donc, il a été et avec un très grand lien avec la nature. Bon, sur ça, il y a un mélange avec le bouddhisme qui est arrivé après. En tout cas, il est le premier d'une famille avec, ils sont cinq fils. Son père est médecin, et c'est un médecin déjà à l'occidental, tandis que son grand-père était médecin aussi, mais un médecin de la tradition chinoise, disons, japonaise-chinoise. Sa mère est fille de samouraï, donc il a été élevé dans l'esprit de samouraï, c'est-à-dire la loyauté, le courage, l'amour à son propre peuple. Mais il naît dans une période très particulière du Japon, qui est un moment historique de changement de dynastie d'empereur, mais surtout d'ouverture à l'Occident et aux États-Unis. C'est-à-dire, nous verrons après pourquoi, mais pour plus de deux siècles, le Japon était complètement fermé à l'Occident, c'est-à-dire rien n'entrait et rien ne pouvait sortir. Donc, tandis qu'en 1858, donc 50 ans avant la naissance de Takahashi, un bateau, pour des raisons commerciales des États-Unis, a forcé le port et il est rentré et ils ont été acceptés. Donc, en 50 ans, le Japon a envoyé ses cerveaux apprendre partout et il a demandé aux cerveaux de l'Europe et des États-Unis de venir leur apprendre toutes les techniques. Et donc, en 50 ans, ils ont fait un bond en avant. Ce qui a fait que sur cette tradition shintoïste et de samouraï, c'est mélangé un positivisme, un mythe du progrès. Et c'est le même Takahashi qui, quand il est au lycée et surtout quand il va à Nagasaki en faculté de médecine, qui dira de cette période « je suis devenu esclave du matérialisme ». Et pour moi, c'était difficile d'imaginer l'existence de cette vague chose qu'on peut appeler l'âme. En tout cas, c'était un jeune très sensible qui aimait la poésie, qui aimait Millet, qui faisait du sport, qui avait été très sympa avec ses camarades. Donc, c'est une personne très sensible. Mais il lui-même dit qu'il était pris par un matérialisme athée. Jusqu'en 1930, quand l'imprévu, son père lui envoie un télégramme, viens tout de suite. Sa mère a eu une hémorragie cérébrale, il arrive qu'elle est encore vivante, mais elle ne parle plus. C'est lui-même qui décrit le regard de sa mère. Il dit, ce dernier regard de ma mère a démoli le cadre idéologique que j'avais moi-même construit. C'est-à-dire, elle m'a fait sentir qu'il y a quelque chose après la mort, dont l'esprit humain ne peut pas mourir. Ça, c'est le premier point qui m'a convaincue à faire cette expo, à faire ce travail. Parce que c'est un homme qui a une énorme estime de la raison, mais c'est une raison ouverte. Une raison qui se laisse déplacer par une expérience qu'il fait. Et ça, c'est vraiment une très grande chose. Lui-même, en revenant des funérailles de sa mère, la chose qu'il avait mis en valise et qu'il lira dans son voyage de retour, c'est les pensées de Pascal, qui lui venait de quand au lycée, il avait fait la littérature française. Et Pascal devient son camarade quand il va dans les bois ou le long des ruisseaux. Pourquoi? Parce que Pascal, d'abord, c'est un homme de science. Il a inventé la pascaline, la première calculatrice, non? Mais qui a une ouverture et une pensée sur la naissance, sur la mort, avec un significat que lui n'avait pas. Et c'est un peu une chose qui arrive à chacun de nous à un certain moment dans la vie, je crois, qu'on rencontre quelque chose qui nous donne quelque chose en plus de ce que même nos parents plus estimés nous ont passé. Le problème, c'est si face à une chose comme ça, on la refoule ou bien on se laisse déplacer. Lui s'est laissé déplacer. Il s'est dit, pourquoi je vérifie les choses au labo, pourquoi ne pas vérifier l'hypothèse que Pascal lui dit.
compte tenu que pour une sensibilité japonaise, je crois que la pensée de Pascal, c'est vraiment très difficile. En tout cas, il avait à 500 mètres de l'université, il voyait de sa fenêtre le quartier de Urakami, qui était le quartier des chrétiens, où il y a cette grande église, qui était la plus grande église de l'Orient de cette période. Et qui l'énervait pas mal, parce qu'en fait, lui, quand il sentait les cloches sonner, il disait, mais en fait, c'est une chose d'autre temps, pourquoi ces gens ont encore ces idées? On en est en 1930, en fait. En fait, il va chercher, il n'ose pas aller parler avec un prêtre, mais il dit, je suis un étudiant, je vais chercher un logement, de louer une chambre chez ces chrétiens pour les connaître. C'est intéressant, ça. En fait, il frappe les premières deux fois qu'il frappe à la porte de la famille Moriyama, et on verra que ce n'est pas une famille quelconque, parce qu'en en fait, on verra que c'est la famille qui est l'héritière des responsables de la communauté chrétienne depuis beaucoup de générations. Pour deux fois, cette femme et son mari disent, mais on ne loue pas de chambre. À la troisième fois, il revenait de la messe et disent, peut-être c'est le Seigneur qui nous l'envoie, et il accepte. Donc, il commence à connaître la vie des chrétiens de l'intérieur, c'est-à-dire il les voit prier, il voit comment ils travaillent, il voit qu'ils s'arrêtent quand l'Angélus sonne, il voit qu'ils font attention aux orphelins, qu'ils ont une belle vie de famille. Enfin, ils ne sont pas ces fanatiques dont on lui avait parlé. Et nous aussi, en fait, on connaît un peu comme lui, lentement, l'histoire des chrétiens au Japon. Alors d'abord, avant de faire cette expo, je ne savais pas du tout que jusqu'en 1530, personne de l'Occident ne connaissait le Japon, et le Japon ne connaissait rien de l'Occident, parce que c'est une île, ce n'est pas la Chine, on ne peut pas y arriver à pied. En 1530, il y a un navire portugais commercial qui, pour un typhon, tombe sur une petite île du Japon et le découvre. Le 15 août de 1549, François Xavier, je ne sais pas si on dit Xavier exactement en français, mais débarque au Japon parce qu'il a baptisé un espèce de brigand qui avait tué un homme et l'a converti, qui lui parlait toujours de son pays. Il va pour annoncer le Christ. Il y reste une paire d'années et à la fin, il y avait déjà plus de 1000 chrétiens. Mais on appelle la deuxième moitié du siècle XVIe et appelé le siècle chrétien du Japon. Parce qu'après François Xavier, il y a eu un groupe de jésuites, vraiment des génies de la Renaissance. Et on est dans une période très particulière de l'histoire du Japon, c'est-à-dire que le Japon, qui est dans une époque féodale, avec des princes, leurs châteaux, et continuellement en guerre l'un contre l'autre, donc à la famine, le peuple, tout ça, ils sont en train de passer en ces 50 ans vers une unification, grâce à ces trois grands chefs d'armée qui se suivent l'un de l'autre et qui conduisent à unité un peu sous un shogun unique, le Japon. En fait, c'est des personnes, c'est des chefs d'armée qui ont aussi des avantages vers le commerce avec les Portugais, ils ont les armes à feu qui commencent, en fait. Mais ils sont aussi intelligents et très curieux de ces jésuites qui arrivent et qui, à leur foi, ont une intelligence incroyable parce qu'ils comprennent immédiatement de ne pas être tombés sur des sauvages à civiliser, mais dans une culture différente à apprendre, à connaître, à partager pour y porter une bonne nouvelle. Il y a Louis d'Almeida qui a porté la chirurgie et surtout il y a le génie Alessandro Valignano qui a écrit après 3 ans, il est resté à écouter cette culture, il a écrit le manuel du missionnaire selon la méthode de l'adaptation. Il a fait la salle de thé dans tous les couvents jésuites. Il a porté les premières machines de presse. Il a formé un clergé. Et il a même apporté des fils de princes à connaître le pape, la cour de France, la cour d'Italie. Donc, c'était une rencontre de deux cultures. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter sur ça. Et ce qui fait que cette méthode fait convertir beaucoup de princes. Et dans une organisation verticale, si le prince se convertit, le château très souvent le suit. Donc, il y a eu d'abord le prince Omura, qui est à Nagasaki, qui a ouvert son port, et toutes les rentes du port allaient financer les œuvres, les écoles, le séminaire, il y a un évêque, il y a des prêtres, enfin,
Il y a plus de 100 000 chrétiens à Nagasaki pour ça. Et l'autre personnage qui est... Il y a des personnages incroyables, on ne peut pas les raconter ici, peut-être on pourra, dans une question, si on a encore le temps, sans quoi je vous renvoie à les voir. Ukon Takayama, qui a été béatifié par le pape François il y a 4 ans, hein, qui est appelé le samouraï de Dieu ou le Thomas More japonais. C'est vraiment une personne incroyable. Mais après 50 ans, tout change pour une série de raisons qui sont des raisons d'État, si vous voulez, parce que quand c'est unifié, c'est mieux ne pas voir 100 000 personnes qui suivent un seigneur qu'on ne sait pas bien qui c'est. Pour des problèmes d'entre les ordres, les franciscains n'ont pas la même méthode des jésuites, et surtout parce que les intérêts du commerce sont remplis par les Anglais et par les Hollandais qui, il faut dire, on était en pleine réforme, calomnient pas mal les Espagnols et les Portugais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une série de 4 décrets contre les chrétiens. Le premier, il n'est pas, en fait, il n'est pas suivi. Mais déjà en 1597, on est obligé de livrer les chrétiens aux villes. Alors, beaucoup fuient dans les montagnes ou dans les petites îles. Mais, par exemple, Paolo Michi, qui est un catéchiste de Ukon et qui était très connu, avec un autre 25 prêtres ou catéchistes, ils sont pris. Je ne sais pas si vous avez vu le film Silence, et vous avez vu sûrement ces édits qui donnent une rançon pour laquelle on vit toute la vie, en fait. Et on lui coupe une oreille et pour 30 jours, on les fait marcher jusqu'à Nagasaki pour les crucifier à Nagasaki, pour démontrer à la ville plus chrétienne que le christianisme ne doit plus exister. En fait, c'est une grande témoignage. Et c'est Paolo Michi et ses compagnons qui sont saints. La chose, il y a 2 autres édits comme ça. Et en fait, en 1644, le dernier prêtre est tué en laissant une prophétie que dans 7 générations, les prêtres vont retourner. Et les personnes qui sont prises sont ou ils abjurent en marchant sur les images sacrées, comme vous voyez là, ou bien ils sont lourdement torturés et tués. Il y a des milliers de martyrs, des enfants, des femmes, non? Ils ont été béatifiés en groupe parce qu'on n'a pas de documentation. Et après ça, il y aura encore l'histoire de Sidotti que, pendant qu'on faisait l'expo, commençait la cause de béatification. C'était Palermitain qui s'est fait envoyer par le pape après et qui a discuté avec le premier ministre. Enfin, ça, c'est une histoire aussi à raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Japon, on l'appelle le Japon enchaîné, Sakoku. Pour 2 siècles, il n'y avait plus de prêtres, mais un chef de communauté baptisé transmettait la foi, il priait avec des médaillons à certaines heures, avec le soleil, projetaient une image sacrée. Il priait face à des statues comme celle-là qui est Maria Canon, qui est bouddhiste pour la police, mais qui a une petite croix pour les chrétiens. Là, c'est un registre de ça. Donc, ces chrétiens cachés, incroyablement, n'avaient que le baptême. Mais pour 200 ans, plus que 200 ans, ils ont maintenu une foi qui était une foi qui portait jusqu'au martyr. Non? Et c'est pour ça que le pape, quand il a fait la catéchèse sur le baptême, il a parlé des chrétiens. Les chrétiens cachés. Comme on a dit, en 1858, l'ouverture forcée du port, là vous voyez le port de Nagasaki qui recommence son commerce, c'est les Français qui demandent que pour avoir le commerce, ils veulent pouvoir avoir une liberté de culte au moins pour eux, pour les étrangers. Et donc, c'est Père Petit-Jean des Missions étrangères de Paris qui va bâtir l'église de Houra près du port. Mais les édits sont toujours là. Il y a des femmes qui, déguisées en femmes de pêcheurs, vont chercher ce prêtre et lui posent les questions que la prophétie avait dit. Est-ce que tu es marié? À qui tu réponds? Est-ce que tu as chez toi une femme avec un enfant? Et le prêtre, Père Petit-Jean, leur montre, il dit, je réponds à Rome, je ne suis pas marié, et voilà la Vierge Marie. Donc, il dit la première messe, mais encore, il y a 3 400
encore une persécution avec 3400 chrétiens d'Urakami qui sont exilés. Les survivants reviennent en 1872, aussi poussés par le reste du monde, enfin, qui savait cette histoire. Et parmi eux, il y a le père de Moriyama. Et quand finalement il y a la première constitution moderne qui donne une liberté de culte, l'église qui vient bâti, qui est bâtie, c'est celle-là. Regardez là, il y a une image, une vierge qui a été offerte, par, qui est faite sur l'image de Murillo et qui a été donnée par le consul espagnol. Voilà, c'est l'église-là, qui était la plus grande orientale, que Nagai voyait de la fenêtre. Donc comme ça, lui, il a appris aussi toute cette histoire. Entre-temps, il a terminé sa faculté de médecine. Il est le meilleur des élèves. Donc, en principe, c'est à lui de donner le discours de fin d'études. Ce qui se passe, c'est que la veille, une fête, il se saoule, il pleut, et ça lui coûte une otite qui devient une méningite. Il est sauve la vie, mais il reste un peu sourd. Alors, la première chose, ça, qu'il sait, il dit, mais qu'est-ce que c'est la vie ? S'il suffit d'une chose comme ça, pour, on est comme les fleurs de cerisier. Non? Et c'est le, son désir, c'est de voir quelque chose qui dure pour toujours, comme l'esprit qu'il avait vu de sa mère. Entre-temps, il ne peut plus faire la médecine interne pour le problème d'être sourd, mais il y a le professeur Suetsugo qui est revenu d'Allemagne avec le premier appareil de radio et il lui propose de travailler avec lui, en lui disant « Je peux vous promettre un travail dur, une incompréhension totale et un risque pour votre santé. » Lui, il accepte à contre-cœur, mais rapidement, il devient enthousiaste de la recherche et de l'utilité des rayons. Entre ses patients, vous voyez, en plus, il y avait beaucoup de TBC, non? Entre ses patients, vous voyez Père Massimiliano Kolbe. Peut-être quelqu'un de vous ne sait pas qu'il était au Japon dans ces années. En fait, il est si enthousiaste qu'il arrive très tard le soir. Il est toujours chez la famille Moriyama, il est toujours là. C'est la veille de Noël du 32 et quand il rentre, il l'invite à dîner. Et après l'avoir invité à dîner, cette fois, il y a aussi la fille qui est maîtresse d'école primaire dans un pays à côté. Mais en fait, il la connaît ce soir-là. Et elle est venue pour les vacances de Noël. Et à la fin du dîner, c'est la famille Moriyama qui lui propose d'aller ensemble à la messe de Noël. Il dit, mais je ne suis pas chrétien. Mais eux, ils répondent, même les mages et les bergers qui sont allés à la crèche ne l'étaient pas. Mais quand ils ont vu, ils ont cru. Bon, il va à cette messe, c'est lui-même qui dit, j'ai entendu près de moi quelqu'un que je ne connaissais pas encore. Donc voilà. Il reste très inquiet de ça, il n'arrive pas à dormir. Le soir d'après, il revient pour aller coucher, mais on l'appelle parce que Midori est malade. Elle a une appendicite qui devient péritonite, il neige, il la charge sous ses épaules, l'emmène à l'hôpital et lui sauve la vie. Entre-temps, les militaristes japonais ont bien pensé de déclarer la guerre à la Chine. Et les choses vont si mal que même les professeurs universitaires comme lui sont appelés à la guerre. Donc, le soir, il reçoit sa carte, le 21 janvier, la veille du départ. Il est triste parce qu'il a vu les blessés, les amputés, les gens qui reviennent de cette terrible guerre. Et quelqu'un frappe à sa porte, c'est Midori, qui lui porte un pull qu'elle a tricoté pendant sa convalescence pour qu'il parte avec ça. Ils s'embrassent, elle s'en va, les larmes aux yeux, en disant « Retournez, je prierai pour vous tous les jours. » Voilà, Midori, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai fait le travail de cette expo, parce que pour moi, c'est incroyable qu'après 200 ans sans un prêtre, il y ait une figure d'une profondeur de foi, d'une position virginale, que c'est vraiment une violaine japonaise, non ? C'est vraiment incroyable. Et ce qui m'y fait penser d'un côté que vraiment le baptême suffit, le rapport personnel avec le mystère est la chose plus importante, et c'est face à une présence. Et la présence pour Midori, c'était le crucifix. Et sa famille, comme la famille responsable de la communauté, conservait le crucifix des martyrs qui passait de génération en génération à la famille responsable. Et c'est face à ce crucifix, à cette présence qu'elle vivait tout.
Voilà la prière qu'elle disait tous les jours pour lui. S'il vous plaît, Sainte Marie, ne laissez pas mourir. Faites qu'il vous connaisse. La guerre est terrible. Il perd aussi la confiance envers le Japon, parce que les Japonais sont aussi terribles, envers le progrès, envers tout ça. Mais Midori lui envoie, avec les gants qu'il termine de tricoter, un catéchisme. Et ça, ce sera sa compagnie même pendant la guerre. Et il dira, mais comment est-ce possible que des questions, des petites phrases si simples comme le catéchisme répondent aux questions sur la vie et sur la mort que des sages n'ont pas trouvées. Il revient de la guerre et quand il arrive à Nagasaki, il a un choix. Il peut aller avec les autres soldats au port, à boire et à s'amuser, ou bien monter à Urakami. Il monte à Urakami. Il frappe à la porte Semidori qui l'ouvre, et il lui passe le pull, et après il va à l'église. Il parle cette fois avec le prêtre qui l'accueille. C'est vraiment une rencontre incroyable dans laquelle le prêtre raconte son histoire de fils de martyr, etc. Et il accueille ce soldat qui se sent sale de face. Entre-temps, Midori, face au crucifix, met son pull. Elle est contente, elle remercie Dieu qu'il est revenu, mais en même temps, elle ne se pense pas digne de cet homme, d'accompagner Nagai. Donc, elle dit, je dois faire le maintenant, je dois faire le sacrifice de ce sentiment et accepter les mariages combinés qui étaient l'usage. Mais en comprenant qu'elle a du mal à faire ce sacrifice, elle monte à l'église pour demander à la Vierge qui a toujours su dire oui, d'être aidée dans ce sacrifice. Quand elle monte, elle voit Nagai qui prie dans l'église, donc elle dit vraiment, ma tâche est terminée. En fait, ce ne sera pas comme ça, parce que Nagai commence sa catéchèse, et même si son père est contraire et sa carrière en ressent, il demande le baptême. Il est baptisé et il prend le nom de Paolo, à partir de Paul Miki, Saint Paul Miki. Trois mois après, il se marie et Nagai veut d'abord dire à Midori les risques liés à son travail. Mais elle répond avec le livre de Ruth. Ce sera un privilège pour moi de t'accompagner quoi qu'il arrive. Voilà la troisième raison pour laquelle qui m'a touchée dans l'histoire, c'est que pour Takashi, le baptême est une chose qui lui fait changer. C'est un homme nouveau, une nouvelle créature. Là, c'est la signature qu'il met en plus de sa signature quand il fait les dessins ou quand il peint de Paolo. Mais depuis ce moment, lui, il regarde les choses, il les juge à partir d'un autre point de vue. Et ça, c'est vraiment étonnant. Les premières années de leur mariage sont difficiles, c'est-à-dire parce que lui, il est pris beaucoup par sa recherche et lui-même dit j'ai été un père au début et un mari distrait par ma recherche. Mais en tout cas, il connaît aussi la Saint-Vincent et il va visiter les pauvres. C'est Midori qui fait tout. Ils sont en plein embargo du Japon, donc c'est très difficile. Elle fait à peu près deux ou trois travaux, elle aide les femmes du quartier, enfin, elle suit les enfants. Et en même temps, elle est très tendre avec son mari, en lisant sans comprendre même ses articles scientifiques, parce que c'est sa vie à lui. Deuxième guerre de Mandchourie. La guerre est terrible comme l'autre, mais c'est évident que Nagai est une autre personne. Il s'offre pour des missions risquées. Il va chercher la Saint-Vincent de la Chine pour qu'elle aide les ennemis blessés. Il fait la chirurgie pour les Japonais, mais aussi pour les Chinois. Et puis, un épisode incroyable, ils sont encerclés à un certain point. Donc, le capitaine dit, bon, on n'a pas de voie d'issue. Donc, vous savez que les Japonais ne se rendent pas, non? Donc, tu mettras le drapeau du Japon. Tu mettras les blessés autour, tu mettras de l'essence sur eux et tu donneras feu quand je te le dirai. Lui, il demande d'avoir un temps pour être tout seul et il va réciter son chapelet. À un certain point, il y a un soldat qui arrive, il dit « l'ennemi est parti ». Donc, là, on n'a pas eu besoin de… Ça, moi, ça me touche beaucoup parce que ça fait comprendre que pour lui, c'est vraiment une autre façon de regarder ce qui se passe.
Et ça, c'est pareil quand il revient, parce qu'il retourne à faire sa recherche, il est prof de radiologie à l'université, mais tout le regarde, tout l'intéresse, la politique. Il est très préoccupé que l'Amérique soit, que le Japon déclare guerre à l'Amérique, c'est en 41 Pearl Harbor. Et les étudiants, il les emmène avec lui voir les pauvres et puis même recomposer les morts avant de les consigner à la famille. Donc, c'est des choses un peu inouïes, en fait. En même temps, en 1945, il s'aperçoit d'être trop fatigué. Il accepte de se faire une radio. Il a une grosse rate et le diagnostic de leucémie myéloïde chronique qui lui vient d'avoir utilisé les rayons pour faire des radiographies au-delà du risque possible. Donc, il comprend d'avoir une leucémie. Alors, ce n'était pas en 1945, hein, Paola, qu'il découvre la leucémie. C'était avant, hein. Mais il y a deux dates différentes, en fait. Hein. Ah, d'accord. Ok. Parce que, bon, lui, il pensait d'avoir en tout cas deux ou trois années de vie, parce que c'était comme ça à cette époque, le pronostic. Et il s'aperçoit de laisser orphelin ses fils bientôt. Donc, avant de rentrer chez lui, il passe sur la colline de Paolo Miki à prier, et puis il va chez sa femme. Et encore une fois, c'est sa femme qui dit tout ce qui nous viendra. Ce sera accepté, on acceptera tout. C'est lui, c'est elle qui le réconforte. On est arrivé au 45. Alors, le 6 août du 45, c'est la première bombe déchargée sur Hiroshima. Évidemment, personne ne le sait à Nagasaki. Lui, en tout cas, il a envoyé ce jour-là ses fils chez la grand-mère qui est à 6 km parce qu'il y a pas mal de bombardements de tous les genres. Et le 8 soir, il va à montée de garde, comme déjà Fabrice a dit. Donc, il se retrouve dans le bunker de la radiologie. C'est pour ça que quand le 9 matin à 11 heures, la deuxième bombe est chargée sur Nagasaki, lui, il reste vivant. Enfin, il a l'artère temporelle coupée par un mur qui est tombé, mais quand il sort, ce qu'il voit, c'est incroyable, c'est la dévastation totale. Il n'y a plus, les gens sont à peu près ou carbonisés ou écorchés vivants. L'église est comme ça. Ça, c'est la tête de la Vierge que vous voyez sur l'autel majeur. On pourrait en parler après. Enfin, bien connaissant comment font les Japonais, vous voyez tout. Hein. Il prend avec son sang de sa blessure sur un drap, il fait un drapeau, il le plante sur la colline et il recueille avec les gens qui restent, qui peuvent soigner ce qu'on peut faire. Enfin, il reste là 3 jours. Le 11 arrivent les médecins de l'armée des autres villes. À ce point-là, il va voir Sam chez lui, bien en sachant que si Midori n'est pas venu, c'est parce que Midori n'est plus. En fait, il arrive où était sa maison, et près de la cuisine, le mur de la cuisine, et il trouve des os carbonisés qui sont ceux de sa femme, et à côté, son chapelet fondu. Il remercie Dieu qu'elle est morte en priant. Il va chez... donner la nouvelle au fils et à la mère à 6 km. Et là, il commence un camp d'aide pour les survivants. Et c'est bien là que le 15 août, il atteint le discours à la radio incroyable pour des Japonais que de la capitulation inconditionnée. C'est l'empereur même qui le dit. Entre-temps, sa leucémie a progressé, il est anémique. Et à la fin d'octobre, le 5 d'octobre, il est très proche de la mort. Il fait même son chant d'adieu de samouraï parce que les tissus ne tiennent pas, la blessure s'est ouverte, donc il saigne. Et l'infirmière dit « j'arrive pas à l'arrêter le saignement ». Entre-temps, sa belle-mère avait apporté de l'eau bénite du couvent de Kolbe. Et lui, il entend, lui seul entend une voix qui lui dit « Prie Kolbe ». Pour lui, Kolbe était déjà mort, mais lui ne le savait pas. Et pour lui, c'était un malade qu'il avait connu. Et lui, il prie Kolbe, immédiatement, on s'aperçoit que l'hémorragie s'arrête. Donc, il ne meurt pas.
Et vous voyez que dans cette période, il a les moustaches et la barbe parce qu'il peut commencer la période de deuil à ce point. Et on réfléchit qu'il y a un temps de méditation. Non, pour la... Et on lui demande aussi de tenir le discours le 23 novembre, qui est la date de la première messe qu'on fait dans les ruines pour tous les 70 000 morts de la bombe. Et lui, réfléchissant sur des signes qu'il voit, en particulier le fait que la bombe atomique ne devait pas tomber sur Urakami, ne devait pas tomber sur notre ville, comme, avec comme cible une autre ville qui était où il y a des, une industrie des munitions, ou bien sur la Mitsubishi qui était à Nagasaki d'un autre côté, qui faisait des armements de guerre. Mais pour un problème météorologique et un problème de moteur, elle a été déclenchée avant. Donc, elle est tombée sur le quartier chrétien et dans la période de la novène de la Vierge. Enfin. Et lui, il dira en, comme discours qu'il faut regarder la tragédie atomique comme le sacrifice des chrétiens d'une terre déjà de martyrs qui a été offerte pour la fin de la guerre. Ça, c'est assez incroyable. Entre-temps, à partir du 15 octobre, puisqu'il avait vu une fourmi et un fil d'herbe grandir dans le désert atomique, lui qui avait étudié l'atome aussi, dit « bon, la vie peut repartir même ici ». Il va habiter pratiquement où était sa vieille maison, une espèce de cabane comme ça, et où il attend les gens qui reviennent de la guerre, de la prison, des camps, comme Yamada, et qui ne trouvent ni maison ni famille. Et qui veulent fuir. Il dit non, reste ici avec moi, ne fuis pas, il faut qu'on vive pour les béatitudes. Monte avec moi ce lourd, cette montagne dure. Et ça, c'est le quatrième point, je crois, le plus important de cette histoire, c'est que ce n'est pas qu'il a un bon caractère, un caractère facile, pas du tout, mais c'est qu'il a fait un incroyable travail de pauvreté, mais pas seulement matérielle, une pauvreté d'esprit. Et c'est pour ça qu'il a fait une expérience d'une présence incroyable. Alors, il s'occupe du bien commun d'une façon incroyable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé. Hein, il faut tenir qu'après cette guerre, ils n'ont pas mangé. Et lui, il invite tout le monde à vivre du minimum et de donner tout pour reconstruire l'hôpital, l'église. Lui, il vit en traduisant Marshall pour un magazine. Quand il gagne un prix, il l'offre pour planter 1000 cerisiers à côté des ruines de la ville. Et puis, la nuit du 24 décembre 1945, vous pensez bien, ce doit être le plus triste Noël de la vie de ces gens, non? Lui, avec Yamada, c'est celui qui l'avait fait arrêter, il va chercher une des deux cloches dans les ruines. Il la sort, il la monte comme ça et il sonne l'Angélus pour la nuit de Noël. Pensez à la consolation des gens. Donc, c'est cette nuit-là que naît le nom du livre que Patrice disait tout à l'heure, non? Les cloches de Nagasaki, et le nom aussi du film qui a été fait. Parce qu'il dit, même la bombe atomique ne peut faire taire les cloches de Dieu. Sa leucémie progresse, il ne peut presque plus se lever, des fois il n'arrive même plus à écrire, mais il invite tous ceux qui ont souffert pour la bombe à ne pas se soucier d'eux-mêmes, mais de faire tout ce que chacun peut faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Lui, ce qu'il peut faire, c'est écrire. Il écrit 20 livres. Justement, le premier, c'est celui que citait Patrice sur qu'est-ce qui arrive après une bombe atomique, parce qu'en fait, personne ne le savait, non? Donc, comment soigner ces gens, puis des livres pour ses fils, puis des livres, bon, on est en train de les traduire parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas traduits. Il y en a un qui est déjà disponible parce que 14 jours avant de mourir, il a su qu'on est en train de faire un sanctuaire pour les martyrs de Tsunami. Et puis, il se sent engagé à faire une école de vie à ses fils. Aux deux fils qui restent. En 1948, il laisse sa cabane qui a été un peu élargie à son frère, à sa famille, à la belle-mère et aux ses enfants. Et il va vivre, lui malade, dans cette cabane, qui est celle-là que vous voyez, qui est de 2 mètres par 2,
parce que c'est deux tatamis, un pour lui et un pour les fils quand ils viennent le voir, un banc, une statue de la Vierge, une petite librairie et une lampe et le matériel pour écrire. Parce qu'il appelle ça le Nyokodo, le sanctuaire comme vous-même, et parce qu'il reprend une sutra qui dit que l'être suprême est plus facilement rencontré quand on n'a que l'essentiel. Voilà, voilà la... c'est comme ça. On l'appelait le mystique de la paix, mais pour lui, la paix n'est pas du tout le pacifisme, et même il est contraire aux pacifistes qui, sans s'engager, veulent faire des slogans dans les rues. Il dit que la paix exige un grand travail sur soi-même, une lutte contre son propre égoïsme. Et lui-même, l'expérience le met en pratique, parce que les communistes le calomnient, parce qu'ils disent non, ce n'est pas lui qui a écrit ses livres, parce que ce n'est pas possible qu'il écrive, il est trop malade. Enfin, il ne voudra pas répondre. Son expérience, il l'a dit lui-même, il dit « Comme le peuple d'Israël dans le désert, j'ai marché avec Dieu dans le désert atomique et j'ai découvert la profondeur de son amitié. » Et je crois que c'est vraiment ça qui le rend annonce. Le titre, vous avez vu, c'était « Annonce à Nagasaki » parce que l'annonce, ce n'est pas du tout ce que nous disons, mais ce que nous sommes. Et vous voyez sa figure, son visage, non? La joie qui passe. Là, c'est la nuit quand il écrit les lettres aux lépreux. Il transmet les lettres, il répond aux lépreux. Il est vraiment transformé et il devient l'espérance. Les gens viennent le voir. Il y a des trains du Japon tous les jours qui viennent et qui emmènent des gens. Les écoles vont le voir. L'empereur vient le voir. Le pape envoie deux fois un cardinal pour lui. Il lui demande de prier pour l'Église. On pourrait continuer à raconter. Voilà, là, c'est des images. Keller. Les médecins catholiques italiens lui ont envoyé une statue de la Vierge. Là, c'est le pape qui lui envoie. Et Glynn l'a connu pour écrire le livre « Paix sur Nagasaki » parce qu'un lépreux aveugle lui a raconté qu'il a changé pour les lettres de... En fait, le 1er mai 1951, il comprend qu'il est arrivé à la fin. Il a fait son l'adieu à la vie de japonais. Au revoir mon corps, je dois maintenant voyager au-delà de tes frontières. Je dois te laisser comme le parfum doit laisser la rose. Qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il attend l'Eucharistie. Il se fait porter sur une civière encore aux ruines de l'église pour prier encore une fois pour la paix. Ensuite, il va à l'hôpital. Il prie avec ses collègues. Il meurt. Et comme sa disposition, il avait donné une disposition que son corps soit donné d'abord pour l'autopsie pour que les étudiants peuvent apprendre mieux la leucémie. Après, un cortège l'accompagne chez lui et les funérailles sont toute la ville qui est présente. Et les usines, les collègues bouddhistes, Yamada, à la fin, sonnent les cloches. Parce que c'est vraiment une personne qui a accompli sa vie. On n'a pas le temps de le lire, mais en fait, soit professionnel, parce qu'il dit, je suis passé à penser que soigner un malade, c'est être techniquement parfait, à comprendre que la médecine est une vocation, un appel personnel de Dieu, et on doit prier pour ces malades. Et même comme père, parce qu'à ses fils, une nuit, il écrit... Exactement, vous serez orphelin, ce ne sera pas facile votre chemin, et la foi chrétienne n'est pas une anesthésie. Mais je peux vous assurer que ce chemin solitaire que Dieu est celui que Dieu a préparé pour vous, et soyez sa gloire. Bon, ça c'est Nagai. Ce que je veux dire, que dans cette période de pandémie, beaucoup nous ont dit que Nagai les aidait à aller chercher ou appuyer l'espoir, non? Parce que je crois que tout le monde, tous nous nous sommes posé des questions face à ce qui vraiment a valeur dans ce temps et où repose notre espérance. Parce que quand on court toute la journée et la vie qu'on faisait avant la pandémie, peut-être nous a caché des questions profondes. Mais je crois que Nagai nous dit quelque chose en plus, parce qu'il dit aussi que ce n'est pas automatique de comprendre. Mais il nous donne une voie, parce que... Je crois que la pauvreté d'esprit est une voie qu'on ne peut pas sauter. Parce que comme ça, déjà tous les jours, nous pouvons comme lui remarquer, comme dans le désert, quelque chose pousse déjà. Non? Et je vous laisse ce message qui est sa poésie. Nous sommes vivants et une journée entière nous attend.
et nous devons transformer notre vie en poésie, creuser sous la surface des choses, chercher la beauté cachée qui est partout et découvrir la gloire de la création qui est autour de nous. Alors chaque jour deviendra un poème. Voilà, aujourd'hui, et je termine, aujourd'hui, alors celui-là, c'est le Nyokodo qui est visible, visitable à Nagasaki. Celui-là, c'est le fils de son fils, qui est le responsable du musée, qui nous a donné les photos. Là, c'est Gabriele qui a fait avec moi l'expo et qui est en train de traduire les livres. Et le 23 mars, on est allé à Rome à signer chez un notaire l'institution de ce comité des amis de Takashi Midori Nagai, parce que tellement de signes nous ont fait penser qu'on désirait le proposer à tout le monde, que tout le monde le connaisse. Donc le comité continue l'aventure qui est de le faire connaître et de coopérer à une éventuelle cause de canonisation que nous avons demandé à l'évêque de Nagasaki. Vous avez un site qui est pour l'instant en italien, Amici Nagai, et parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les saints, c'est d'abord le peuple, la vox populi, qui demande à l'Église de vérifier. L'Église vérifie d'abord à Nagasaki, après à Rome, que ses vertus, sa façon de vivre soit extraordinaire, héroïque, et puis le bon Dieu doit mettre sa signature par un miracle après. Et bon, là, les livres. Et puis, merci. Et vous êtes tous invités à participer, à devenir des amis de Takashi Midori, même parce que avec le comité, on s'est pris une responsabilité morale et une responsabilité économique de faire la cause. Merci. Merci, merci beaucoup, Paola. Vous aurez tous constaté qu'elle a un français absolument extraordinaire. Et c'est pas c'est vraiment ce qui est extraordinaire aussi, c'est de constater comment le fait d'entendre le récit de cette vie devient une expérience pour nous aussi, non? À cause de Paola et à cause de cette soirée, j'ai recommencé à lire les livres de Takashi Nagai que j'avais ici, et comme dans d'autres occasions, c'était comme si lui était en train de nous parler et de nous transmettre, non, quelque chose qui le faisait vivre, lui. C'est presque passé trop vite, cette phrase-là que tu disais, que chaque journée, chaque matinée, hein, non, nous est donnée et on peut recommencer une vie. Et une vie qui peut être belle, même dans la maladie, même dans la souffrance, parce qu'il a vraiment vécu une vie terrible à la fin. Il était vraiment malade, hein. Il ne pouvait plus se tourner. Il écrit tous ces livres dont tu as parlé. Il les écrivait couché sur le dos. Il ne pouvait plus bouger. Il avait une espèce d'écritoire et avec un crayon à papier, parce que la plume, c'était trop douloureux. Il écrivait ces textes qu'on a déchiffrés ensuite et qui sont des textes très, très simples, très, très simples et en même temps très touchants, très touchants. C'est comme si on découvrait aussi l'esprit, la délicatesse des Japonais, non, qui ont ce sens de la beauté, de la nature, même ces poèmes très courts, mais qui nous parlent tous d'une manière très forte, non. Donc, moi, je ne peux que dire merci, et non seulement dire merci, mais je me suis déjà inscrit sur le site des Amis de Nagai, hein, puisqu'il y a une newsletter, on peut s'annoncer. Donc, je le dis parce que je vous invite à faire la même chose. Donc, c'est vraiment une belle occasion. Alors, comme on le fait d'habitude avec Aîné, vous savez que vous pouvez participer, hein, il suffit d'ouvrir votre micro, ce qui est mis sur silence, et Jean-François pourra vous donner accès et on pourra entendre votre question. Donc, on a encore bien quelques minutes. Il y aura d'autres choses encore après. Voilà, si quelqu'un veut intervenir, on vous écoute avec plaisir. Moi, j'ai une question. Bonjour. Vous ne me voyez pas, mais bon.
C'est Dima, je suis Dima, et merci Paola de cette présentation merveilleuse. Et Patrice aussi, bonjour, bonjour. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on a attendu si longtemps avant de faire connaître Nagai. Est-ce que on a un souvenir de lui encore vibrant au Japon, ou ce souvenir reste seulement parmi la communauté chrétienne? Alors, c'est une question que nous avons tous posée à peu près. Il faut dire que le pourcentage des chrétiens au Japon n'est pas très élevé. On m'a dit aussi que pour eux, pour les Japonais, la bombe atomique est une chose à oublier. C'est-à-dire, c'est très difficile de parler de cette foi pour eux. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, il y a des pèlerinages qui sont faits toutes les années de Nagasaki à Matsue, où il est né. Et quand les personnes, nos amis, ont été à Nagasaki, toutes les fois qu'ils passaient, qu'ils entendaient parler italien, ils demandaient pourquoi ils étaient là, ils disaient, mais c'est pour Nagai. Ah, Nagai, tout le monde avait quelque chose à dire de Nagai. Donc, en fait, et il y a une phrase qui est dite partout, c'est qu'il y a eu deux bombes atomiques, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Mais à Hiroshima, on crie, et à Nagasaki, on prie. Et la différence l'a fait le docteur Nagasaki. Nous venons de trouver aussi une thèse d'un professeur américain, en cherchant, que je suis en train de terminer de lire, qui avait une thèse historique, qui devait dire comment on a reconstruit au Japon, les Américains, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Et il arrive à décrire la chose, disant, mais la différence à Nagasaki, l'ont fait les catholiques. Ils ont coopéré avec les Américains pour rebâtir, et en particulier le docteur Nagai, et il y a après des descriptions de sa vie dont on va se servir. Donc, en même temps, dès qu'on touche quelque chose, on découvre qu'il est connu. Et qu'est-ce que dit le livre que vous avez déjà traduit en italien sur les autres chrétiens persécutés? Alors, le livre que vous pourrez prendre sur Amazon, non, mais il est en italien pour l'instant, mais on est en train de traduire en anglais, et on pourrait le traduire aussi en français. Il a su qu'ils étaient en train de construire un sanctuaire à Tsunamo où ils avaient été enfermés et tués beaucoup de chrétiens, des martyrs, et en particulier il s'appelle le pas de la Vierge, parce que la Vierge allait voir un de ses jeunes quand il était dans sa cage tous les soirs pour lui faire compagnie. Donc, lui, quand il l'a su de ça, dans ses derniers 14 jours de vie, il a écrit ce petit livre, parce qu'il était très, très content de ça. Je vous annonce que Gabriel est en train de terminer la traduction des pensées du Nyokodo, que je crois sera un livre, j'ai vu des morceaux, très, très, très intéressants, parce que c'est un livre de ses pensées dans le moment, si vous voulez, plus mûr de son histoire. Non? Donc, il a déjà traduit les deux livres à ses fils en italien. Je crois qu'il y en a qui sont traduits aussi en français. Et bon, les cloches sont le premier technique que tu as dit. Et ouais. Bon, il y en a encore des autres. Il y a l'autobiographie aussi que Gabriele va traduire. On est en train de les traduire, nous, pour en garder les droits pour le comité. Donc, très bien. Et une chose dont tu n'as pas parlé, mais qui m'a touché, moi, c'est pourquoi est-ce qu'il plantait des cerisiers? Parce que quand il recevait de l'argent, au lieu de s'occuper de sa famille, qui était très, très pauvre, il plantait des cerisiers. Et parce que l'homme a besoin de la beauté, et pour vivre, pour avoir envie de vivre, je crois qu'il a... C'est sa sensibilité à lui, hein, aussi, et très japonaise. C'est-à-dire que le cerisier, pour les Japonais, sont très importants, parce que d'un côté, c'est la beauté, et de l'autre côté, c'est la mélancolie, parce que c'est... Vous savez, fragilité.
Le jour où les fleurissent au Japon, les cerisiers, c'est un jour de fête nationale, hein, c'est-à-dire. Et en même temps, ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça qu'on avait mis cette image quand il avait compris qu'il avait risqué la vie, non, pour l'un. Merci. D'autres questions? Et dans d'autres pays, tu sais un peu si les échos qu'il y a eu, la façon dont sa vie a fait écho, enfin, donc tu nous as répondu là pour le Japon, mais je ne sais pas. On a, d'un côté, l'Italie, les médecins catholiques d'Italie, en 1951, lui ont envoyé une statue de la Vierge. Moi, je me demandais comment ils avaient fait à savoir en pleine, l'année qu'il est mort. Il est arrivé 30 jours après sa mort pour question de bateau, de navire, comme ça. En plein 51, il savait qu'il y avait Nagai. Moi, après, nous venons de découvrir qu'en 1942, il était un des trois qui ont commencé les médecins catholiques japonais. Donc, c'est probablement pour ça qu'ils l'ont su. Après, on sait que des gens de la Corée le connaissaient. C'est-à-dire, on découvre maintenant des choses, lentement, nous. Mais surtout, je crois que si on arrive à ouvrir la cause, ce sera les gens de là-bas qui nous diront des choses. Et ses enfants, donc tu nous as dit que tu nous as montré son petit-fils, et ses enfants, eux, sont déjà morts. Ils ont... Oui, ses enfants sont morts. Il y en a une qui est morte quand il était en guerre en Mandchourie pour une infection pendant la guerre. Un qui est mort nouveau-né. Et les autres deux, ils ont vécu jusqu'à 60 ans, quelque chose comme ça. La fille était la responsable de son musée. Il y a un musée Nagai à Nagasaki. Et il y en a un aussi à Matsue. Et donc, c'est le fils du fils qui maintenant est le directeur du musée. Mais vous trouvez, je crois même que c'est en français, une interview avec la fille à un certain point. Et puis, la biographie de Takashi a été écrite par son fils aussi. Il a fait un livre sur son père. Hein. Ça, je ne l'ai pas lu, moi. Oui, ça s'appelle en français, il a été publié par Nouvelle Cité en 2004. Oui. Le sourire des cloches de Nagasaki, de Makoto Nagai, qui est le fils. On l'a récupéré en français et il est à Tokyo en ce moment parce qu'il l'a allumé. Bon, ben, je profite là, je vais vous le dire, j'ai fait un tour sur Internet pour voir ce qui existe. Alors, je vous ai parlé du livre qui, moi, m'a beaucoup touché, là, Les cloches de Nagasaki de Paul Nagai. Paul, c'était donc son nom chrétien, hein, il s'était édité sous ce nom-là. On le trouve encore maintenant en français, j'ai vu chez les bouquinistes, mais très cher, à 80 euros ou plus. Il existe en italien aussi, il a été édité par les Campane di Nagasaki, ça existe. Il y a comme biographie de Nagai le livre dont a parlé Paola, qui a été fait par Paul Glynn, qui est édité par Nouvelle Cité, et ça s'appelle « Requiem pour Nagasaki ». Et ça, c'est vraiment un livre qui se lit d'une manière magnifique, qui est à recommander. Et puis, il y a aussi « Une lumière dans Nagasaki », c'est un choix de texte, toujours de Nouvelle Cité. Alors ça, c'est tiré de plusieurs de ces livres, mais ce sont des petits passages. Paola l'a déjà dit, donc en italien vous avez la biographie écrite par Paul Glynn qui s'appelle Pace su Nagasaki, ce sont les Paoline qui ont publié. Requiem, hein, c'est le même. Requiem, hein. Oui, c'est le même, c'est le la même. Traduction, oui, tout à fait. Donc c'est assez facile à trouver, c'est pas extrêmement cher tous ces livres. Moi j'ai une question. Et, en fait, comment est-ce que était perçu par les Japonais ça? Son jugement sur l'attaque des Américains. Au début, les gens, pendant la messe, il a dit ça, il y a eu des gens qui ont été très contrariés. Mais en même temps, lui, il avait perdu sa femme, donc il ne parlait pas pour les autres. Hein, il parlait de... Mais après, en le voyant vivre, les gens ont compris que c'était lui qui leur donnait l'espérance et qui les a aidés à rebâtir. Donc au début, pour quelqu'un, c'était inacceptable, non, comme
jugement. Mais c'est un peu comme ça. Alors, quand il y a des personnes qui sont tellement, qui sont dans la joie, les gens s'aperçoivent. Donc après, il a été beaucoup suivi. Il a rebâti même la bibliothèque parce que tous les livres ont été brûlés. Non, donc les enfants n'avaient plus de livres. Donc il a refait ça aussi. Donc il a eu pas mal de prix après. Il a commencé des écoles. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a sauté. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que, disons, tout ce travail que tu as fait, ces découvertes, par rapport à ton travail, voilà, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui a changé? Par rapport à mon travail de médecin, tu dis? Oui. Mais on n'a pas eu le temps de lire tout le texte. Mais lui, il a fait vraiment un passage. Et nous, comme Médecine et Persona, comme association aussi, on a beaucoup valorisé ça parce qu'on l'a fait comme association. Non, on a décidé de faire ce travail de l'expo. Et on l'emporte, l'expo peut tourner, et on l'a porté dans différents hôpitaux après, hein, parce que, et c'est toujours un témoignage intéressant, parce que tu vois que du début de sa position technique, il passe en disant, je pensais que le travail des médecins, c'était d'utiliser mieux la technique pour guérir des vies humaines. Bon, c'est vrai, mais en même temps, après lui, il dit, si tu as un vieux, traite-le comme si c'était ton père. Si tu as un jeune, comme si c'était ton fils. Tu regardes les radios et tu souffres et tu essayes de comprendre tout bien, mais en même temps, tu le vis avec émotion, c'est-à-dire, non? Et s'il a peur, toi, tu as peur. S'il remercie pour la guérison, toi aussi, tu es content. Non? Et à la fin, il dit, tu comprends que tu dois prier pour tous tes malades. Non? C'est-à-dire que tu... Il fait vraiment un passage, même au point de vue professionnel, très intéressant, je trouve. Bon, j'ai été un peu synthétique, mais... Et on le voit quand on porte l'expo dans les hôpitaux, on voit que les gens se retrouvent dans ce passage. Merci. S'il y a la possibilité de dire deux mots sur la Vierge. Il y a Marie-Michel qui voulait poser une question, je pense, et moi aussi j'ai encore des questions à poser. Eh bien, continuons. Marie-Michel. Moi, je voulais demander à Paola, qui a fait un très grand travail aussi avant que j'ai connu sur les vies de saints. Et ce qu'on voit dans cette histoire du Japon, on voit tous ces martyrs. Et... Je voulais lui demander de parler un petit peu plus de, parce que peut-être c'est une chose qui peut nous aider, de nous rendre compte comment il y a une sève dans l'Église qui est la sainteté et de ne pas en avoir peur, de la goûter, de s'en approcher, de la découvrir, comme elle nous l'a fait un peu sentir ce soir. Donc je voulais un tout petit peu lui demander de développer ça, ce que ça représente pour elle. J'ai aussi un peu une question, comment c'est aussi quelque chose qui vit au Japon, enfin je me pose un peu des questions sur l'Église maintenant au Japon. On a vu quelque chose d'extraordinaire avec lui, mais on a vu aussi quelque chose de fabuleux, parce que moi j'ai été comme Paola de me dire comment ont-ils vécu 200, 250 ans complètement caché dans le secret, et comment c'est maintenant, comment l'Église hérite de tout ce sacrifice. Alors, ce que tu dis sur la vie des saints, moi, bon, je viens de consigner pour un petit livre sur les saints. Donc, j'ai fait des saints et les derniers saints que le pape a, qui ne sont pas encore saints, mais vénérables, enfin en chemin de ça. Et puis, les personnes que vous avez vues rapidement, Kon Takayama plutôt que Sidoti, enfin ces figures-là japonaises. Donc, en faisant ce travail sur les vies des saints, c'est incroyable comme ça te sert à toi, à ta vie.
Et tu t'aperçois aussi beaucoup que, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, que la pauvreté d'esprit ou bien le pardon, c'est des dimensions normales pour la vie des saints. Et même ce que tu disais du martyr, par exemple, le même Nagai a un texte quand il explique à ses fils, il dit, ben, on n'est pas martyr parce qu'on est, on est un héros. Non, mais on est martyr parce que on pardonne avant à ceux qui sont en train de te tuer. C'est-à-dire, c'est vraiment une position d'une comme que le même Nagai vit, non, quand il dit on me calomnie, mais c'est une croix portée, c'est pas à moi de me défendre, c'est pas ça, non. Comme elle est tellement, je comprends que c'est comme un geste d'amour, c'est-à-dire que tu es tellement lié à une présence qui te emplit, que tu, pour qu'elle soit connue, tu peux aussi laisser quitter ta vie. Voilà. Donc, je pense que c'est impressionnant pour ça. Là, je ne sais pas si c'est comme je me suis fait comprendre. En même temps, c'est-à-dire que c'est complètement... Et même, par exemple, il y a des films... des fois, on peut le représenter Nagai comme un grand personnage, mais ce n'est pas ça, lui. C'est justement, c'est plus un saint qu'un héros. Et l'autre chose que tu demandais par rapport à l'Église maintenant, bon, je ne peux pas te dire, j'ai posé aussi, moi, ces questions. Je crois, quelqu'un m'a dit aussi que ce n'est pas si différent qu'en Europe, c'est-à-dire que il y a des personnes pour lesquelles la foi, ça change la vie, et des personnes pour lesquelles la foi, c'est une idée, non, comme une position, non, donc c'est pas si différent que ça. Mais il y a sûrement, dans le sentiment japonais, il y a sûrement une, je l'ai écrit au début dans la diapo du shintoïsme, une sensibilité au mystère, c'est-à-dire beaucoup, ça. Quand Don Giussani a été au Japon, il avait dit que s'il y avait un pays où il aurait aimé qu'un groupe de communautés chrétiennes puisse grandir, comme c'était le Japon, parce qu'ils avaient un profond sentiment du mystère. Je ne veux pas allonger, mais Takashi Nagai, ses livres sont merveilleux parce qu'il a aussi de l'humour et puis il écrit d'une manière très, très sympathique. Et il raconte une fois, toujours à propos de la sainteté, une scène où il y a trois femmes qui sont réunies et la première dit « Ah, monsieur Takashi Nagai deviendra certainement un saint. » Et puis la deuxième dit « Ah non, il ne peut pas être saint parce qu'il a été marié, il a eu des enfants. » Et la troisième dit, « Et vous, M. Nagai, qu'est-ce que vous en dites ?» Donc, vous voyez, donc il met en scène. Et lui explique à ces femmes que dans l'Église, il y a eu des grands saints qui ont été des laïcs. Et à l'époque, ce n'était pas évident de dire ça. Des femmes qui ont eu des enfants, qui sont devenues des saintes. Et il dit, « Ça n'est pas réservé uniquement pour les gens qui sont dans les monastères, dans les couvents et tout ça. C'est pour tout le monde. » Mais quand il dit ça, il ne pense pas que lui... pourrait être un saint. Il faut qu'un franciscain lui dise « Mais toi, tu es, parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. » Et il raconte ça avec une simplicité. C'est un vrai bonheur. Il nous aide. Il nous aide. Quand on lit ce genre de texte, il nous aide à vivre la foi un peu comme lui la vivait. Il paraît qu'il y avait encore une question de Jean-François lui-même. Oui, je voulais poser une question, mais je vois qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut poser une question. J'ai été très frappé par les photographies où on voit Nagai qui sort de son bunker et qui visite Nagasaki, tout à fait détruit par la bombe atomique. Alors, il est sûrement, j'imagine qu'il y avait des radiations de toute façon, et il est sûrement conscient qu'il était en train d'augmenter les risques pour sa propre vie. Alors, pourquoi ça fait partie aussi de sa, qu'est-ce qu'il écrit, ça fait aussi partie dans quelque sorte de sa mission qu'il sent sur lui-même de devoir redonner vie à cette ville détruite. La photo dans laquelle on le voit marcher dans le, c'est là que tu dis. Oui. C'est une photo qui a été faite par les Américains, celle-là.
Donc, c'est vraiment une photo réelle et assez tôt. Je ne sais pas si c'est immédiatement quand il sort du bunker. Mais en tout cas, c'est lui, un des premiers qui s'est demandé, mais ce sera la bombe atomique, ça, parce que tous étaient en train de chercher la bombe atomique. Il y avait les Allemands, et lui se pose la question, ce sera les Allemands, c'est qui est arrivé avant nous? Parce que les Japonais aussi, ils avaient essayé, hein, mais ils n'avaient pas assez de ressources économiques pour y travailler, mais les chercheurs du monde entier étaient en train de travailler sur ça, hein, donc... Mais pas beaucoup de personnes ont pu reconnaître que c'était la bombe atomique tout de suite, en plus. Non, je pense pas. Je pense que il sentait sa tâche pour reconstruire. Et c'est un des premiers qui, ayant vu qu'il y avait la vie possible, je crois que c'est pour ça qu'il est retourné habiter là-bas. Donc, pour dire, c'est possible la vie après. Donc, reprenons à vivre. Il y avait encore, Marie, une question, oui. Marie Dolores, oui. Ah, pardon. Oui, et moi aussi, j'étais très frappée quand j'ai lu le livre et puis j'ai vu aussi l'exposition. Autant de la vie de Nagai que de sa femme, de Midori, en fait. Parce que vraiment, on voit que elle, c'était quand même la base où lui, il a pu... Et quand je lisais ce livre à chaque fois, parce que je le présente chaque année à mes élèves, c'est Takashi, donc je vais devenir amie aussi de l'association. Mais je pense toujours aux époux Martin, donc les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et au fond, ce serait pas mal, au fond, de... Je sais pas, vous avez pensé demander qu'on ouvre donc le chemin pour la canonisation de Nagai. Mais au fond... Vu la situation du monde, aussi de la famille aujourd'hui, ouais, c'est pas mal aussi de demander, je sais pas, vous n'avez pas pensé des... Nous avons demandé la cause pour tous les deux. Ah, voilà. Et même l'évêque nous a dit, moi aussi, je voudrais la faire pour tous les deux. Alors, la sainteté, c'est une chose personnelle. Donc, il faut faire deux causes, mais on dit in solido. Ça veut dire les deux ensemble. Moi, j'ai déjà écrit on appelle le libellum, je ne sais pas en français comment ça se dit, pour Midori et pour Takashi. Mais il faut qu'on attende maintenant que l'évêque nous accepte comme comité. On a même déjà hypothisé un postulateur, mais là aussi, il faut toujours que ce soit l'évêque qui répond. Mais vous savez, je vous confie que quand j'avais invité l'évêque de Nagasaki au meeting quand on a fait l'expo pour participer, en plus qu'il parle un peu italien, et il m'a répondu qu'il ne pouvait pas venir parce que c'était l'été que le pape allait au Japon, donc il devait préparer ça, qu'il était venu en Italie à Rome et qu'il avait offert au pape le livre de Glynn en italien. Donc, lui, il a été content. Très bien. Le temps passe et je vois qu'on est un peu en train de dépasser les bornes. Jean-François va bientôt nous couper. Mais donc, je crois, mais parce qu'on aurait envie de continuer. Hein, c'est très beau. Mais on aura peut-être d'autres occasions de reparler de Takashi Nagai. En tout cas, je le souhaite. Je voudrais terminer en vous annonçant quelque chose qui est assez inattendu, mais que c'est comme un signe. Vous avez entendu parler du marathon de la prière que le pape a lancé pour le mois de mai. Chaque jour, le rosaire est récité dans un sanctuaire différent dans le monde. Il y a eu Lourdes, Notre-Dame de Częstochowa en Pologne, la Lorette en Italie, bien sûr, Fatima au Portugal, et ce que m'a dit Paola, qui est comme un cadeau, non, c'est que demain, le rosaire sera récité à Notre-Dame de Nagasaki, au Japon, et on y aura la prière à la Vierge pour guérir le monde de cette pandémie. Le pape a vraiment demandé la prière pour cela. Donc, vous pouvez vous brancher sur KTO et vous pouvez suivre le rosaire qui va être récité demain à Nagasaki.
Voilà ce que je voulais dire aussi pour conclure. Patrice, dire deux mots sur le fait. Je vous ai montré sur l'autel de la première cathédrale la Vierge et vous avez vu la photo après la bombe de la Vierge. Alors, cette histoire est qu'un trappiste, un moine trappiste qui avait été à la guerre, quand qu'il était de Nagasaki, mais il était dans une trappe, dans une île du Japon, je ne me souviens plus laquelle. Et quand il est revenu de la guerre, avant de rentrer dans sa trappe, il est passé dans sa ville qui était Nagasaki, voir ses parents, ses familiers. Et il est allé prier sur les ruines de l'église, parce qu'évidemment pour lui l'église c'était le lieu de sa vocation en fait, non? Et il était en train de prier et il pensait qu'il n'avait plus l'autel, la Vierge qu'il avait prié. Et il voit quelque chose dans les ruines. Il déplace un peu de pierre et il trouve cette tête qui était en bois, donc elle est brûlée. Mais les yeux étaient probablement en espèce de plastique, donc ils sont fondus. Fondus, oui. Et donc il a pris cette tête, cette ruine de... Et l'a emmené dans sa cellule pour 30 ans. Il a toujours prié face à cette Vierge. Après, quand ils ont fait le musée, il a pensé que peut-être c'était mieux de la donner. Donc, il a donné cette tête et qui, en 2005, quand Jean-Paul II est allé là-bas, a été mise dans l'église. Et c'est la Vierge brûlée de Nagasaki qui a été apportée à l'ONU, qui a été apporté à Benoît XVIe, qui l'a bénite, comme la Vierge de la Paix, qui des fois... Et j'imagine que peut-être on priera demain, je ne sais pas si on la verra, mais c'est dans une petite chapelle de l'église nouvelle qui a été refaite. Donc c'est pour vous dire que cette histoire qu'elle s'est fait trouver par ce trappiste qui priait sur les ruines. Très bien. Je crois que Jean-François, on va te rendre le micro pour que tu puisses évidemment remercier Paola qui nous a fait faire cette soirée magnifique et puis nous dire comment on va continuer. Tout à fait. Je pense que j'ai été très ému en tout cas. Et écoutez, la dernière chose que tu viens de nous dire, Paola, justement, comment on peut transformer la douleur, la destruction en victoire en quelque sorte, ou moyen de rédemption presque. Alors je voulais juste vous dire pour conclure que si quelqu'un d'entre vous veut revoir cette rencontre ou bien la partager avec des amis, parce qu'à mon avis c'est quelque chose qu'on voudrait partager avec nos amis, à partir de lundi cette rencontre sera sur le canal YouTube, donc c'est beaucoup plus simple peut-être que Facebook. Donc vous pouvez aller sur le canal YouTube, trouver la vidéo à partir de lundi midi et la faire voir à vos amis. Vous voyez derrière moi l'adresse de notre site aussi. Là, sur ce site, vous pouvez aussi demander, vous inscrire à la newsletter pour être au courant des prochaines rencontres. Alors, je remercie énormément Paola, vraiment, de nous avoir consacré cette soirée et Patrice aussi de l'avoir guidée. Nous arrêtons ici notre live sur Facebook et on se revoit très bientôt.